Des drones made in Niger, c'est le pari qu'a relevé Abdulaziz Kounché il y a une dizaine d'années maintenant. L'entrepreneur et petit-fils du général et ancien dirigeant nigérien Seni Kounché a fondé Drone Africa Service, une entreprise qui conçoit des drones et les met au service de divers secteurs d'activité du pays. Ces drones 100% nigériens sont fabriqués en fonction des besoins des clients. Ce sont des drones qui sont dédiés pour faire de la cartographie, notamment dans le cas de la cartographie, la gestion des risques et des inondations, mais aussi dans le cas de l'agriculture. Et on espère bientôt pouvoir aussi les utiliser dans le cadre du transport d'un point A à un point B. Créés et produits dans un atelier à Niamey, la capitale nigérienne, les drones sont toutefois dotés de caméras venant d'autres pays du globe, ces modèles high-tech n'étant pas produits au Niger pour le moment. Tout ce qui est enclin à faire en sorte que le drone soit opérationnel est vraiment conçu ici au Niger. Les maquettes, les dessins, les plans. Qu'est-ce qu'on fait venir? On fait venir par exemple tout ce qui est résine, les polymères, parce que ce sont des produits qu'on ne trouve pas ici. C'est malheureusement grâce au contexte géopolitique que l'entreprise a pu déployer ses ailes. Les drones ont permis de surveiller des zones reculées du Niger, là où parfois les organisations internationales n'avaient plus accès. Je parlerai du terrorisme, donc ça a permis en fait de faire en sorte que malencontreusement, il était de plus en plus difficile de faire du monitoring à distance. Donc il a fallu trouver des solutions, notamment en faisant appel aux nouvelles technologies. Accompagné de ses deux collaborateurs, Abdulaziz Kounché vient à concevoir des drones pour des entreprises au Mali ou encore au Bénin. L'innovateur a pour ambition de former davantage de concepteurs et de créer, courant 2021, une Drone Academy.